Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce 13e épisode, petit épisode de transition de la semaine, comme tous les mercredis. Alors ce matin, on va s'occuper un peu des animaux sur l'exploitation, notamment des vaches. On a besoin de les pailler et puis ensuite on ira vendre notre lait. On a plus de 10 000 litres en stock. Et puis on finira ce petit épisode par aller pendre la fin de la cuve sur notre parcelle d'herbe pour fertiliser la parcelle à 100%. Allez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà monter dans le JCB que je surkiffe. J'adore ce télescopique. Il est super fonctionnel. Allez, on va aller pailler nos vaches. Positionner la botte. Voilà, nickel, parfait. Tac. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce petit épisode. J'espère que vous allez tous très bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Pailler avec le 6530. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro, on a donc terminé nos semis de printemps. Donc les semis de maïs, la dernière parcelle de maïs a été semée. Donc là actuellement j'ai un ouvrier qui est en train de rouler la parcelle de soja qu'on avait fait dans le dernier épisode. Et on sera tout bon, on n'aura plus qu'à fertiliser nos parcelles de qu'on a fait donc dernièrement, le soja, le tournesol, et puis donc le maïs. Allez, nous, on va aller pailler ça, ouais, il manque pas grand chose, mais bon. Alors, il est où le trigger? Je l'ai vu. C'est pareil, ça, ça va pas être corrigé. Ah. Voilà. Voilà, on doit être à 100%. Si je vous montre, hein. Voyez. Paille, ça y est, 100%. Donc le lait, vous voyez, on est en 11 000 litres. Donc bon, après, j'ai pas été voir les prix. J'espère que c'est en hausse. Donc le lait, on va regarder. Le lait. Ah, le lait, on est en hausse au marché fermier. Ah bah ça tombe bien. Voilà, on ira vendre ici. Comme ça, je vous montrerai. C'est ce que j'ai placé pour qu'on ait un point de vente supplémentaire. Vous allez voir la petite déco, tout ça que j'ai fait, je pense que ça vous plaira. Allez, on emmènera notre lait là-bas. On va laisser encore un peu monter. Donc, les amis, il y a plein de choses qui vont changer aussi après sur l'exploitation. Notamment, je crois pas que je vais garder. Donc ça, c'est le silo de base que j'avais placé. Mais j'ai vu qu'on en avait vraiment des autres, notamment ceux de My7. Et je pense que je mettrai, je vais le changer. Voilà. Donc il y aura ça qui va changer dans la ferme, puis il y aura d'autres bricoles, mais ça je vous en dis pas plus, vous verrez. Ça sera la surprise. Allez, moi je vais aller remettre la pailleuse là-bas de l'autre côté. Donc on a attaqué la deuxième quinzaine d'avril. Le fumier, ça se remplit. Je pense que pareil, un futur achat, ça sera un épandeur à fumier. Et puis, pendant que j'y suis, faut que je vous montre quelque chose parce que ça, c'est sûrement la prochaine moissonneuse qu'on aura sur l'exploitation. Je vais vous montrer ça. Normalement, je l'ai mis sur la partie. Ah, c'est celle-là. Voilà,
Regardez-moi ce petit bijou là qui est sorti sur le modub aujourd'hui, mercredi. Enfin, pas mercredi, mardi, pardon. T560, T660, T670. Après, on peut choisir les pneumatiques BKT, Bernstein, voilà, Michelin. On a toutes les sortes. Configuration des roues, on peut mettre en pneu large. On peut mettre en chenille. Alors, ça par contre. Ah, bah ça c'est derrière, oui, c'est pour le broyage si on veut le mettre en 8 mètres, 9 mètres. Déchargement manuel, bon, ça c'est voilà, c'est le mode que j'ai remis pour décharger manuellement. La buse, on peut la ragrandir. Voilà, regardez, on peut mettre une buse rétractable. Voilà, donc non, non, franchement, ça c'est une des futures moissebattes à venir sur l'exploitation. Voilà, et pour ça, on va essayer de gagner de l'argent. Parce que vous voyez, on est quand même à 263 500 prix de base. Et avec les options, ça monte à 343 500. Donc, bon. On verra comment on peut se la financer. On verra. On verra. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais vous la montrer. Allez, moi, je vais dételer ça. Et puis, on va aller atteler notre. Tac. On va atteler la cuve à lait. On va atteler ça. Voilà. Alors, il me reste un peu d'eau dedans. Je vais voir si je peux pas le mettre un peu dans les serres pour finir la cuve. Alors mince, comment je vais pouvoir faire? Ouais, je vous fais un petit cut, je vais essayer de réinitialiser la cuve et je pense que là ça sera bon. A tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends ici, j'ai réinitialisé la cuve et donc c'est bon. Et comme ça va me permettre de vous montrer, j'ai fait un petit peu de déco et j'ai créé donc le chemin, un petit chemin pour rejoindre la ferme. Hop, regardez, j'ai créé ça. Voilà, ce sera plus simple, comme ça nous évite de reprendre la route et de refaire un plus long trajet. Là, c'est tranquille, j'ai fait un petit chemin tranquille en terre pour nous ramener jusqu'à l'exploitation. Parce que je pense que de toute façon, le choc qui sera sur votre couche, c'est un futur champ. Donc, nous, ce qu'on va faire, eh ben, on va aller remplir notre cuve à lait. Hop. On va se faire un petit peu de vue intérieure. On n'a rien à droite, rien à gauche et on y va. La petite biche là. Hop. Allez, nous on va retourner là. Tac. Bon, j'espère que mon sorgho est bien en cours de croissance. C'est bon, ça passe. C'est que je vais y aller dans ce sens-là. Alors c'est pareil, la presse ronde, elle partira. Quand on va être à la période des moissons, vous verrez, j'ai une presse en tête. Allez, nous, on va reculer jusqu'à la laiterie. Voilà. Tac, on va ouvrir notre petite citerne. Et on va remplir. Allez, ça y est, on est plein. Je vais pouvoir refermer la cuve. Et allez, on va aller emmener ça donc au magasin. Avec le 6530.
On a 61%. Ça... On va voir ce qu'on va gagner. Bon, ce sera peut-être pas non plus une grosse somme, mais bon, c'est toujours 7 vendus. Ça sera donc notre première vente de lait. Allez, on va faire un petit peu de route. Un petit peu de vue intérieure. Parce que c'est vrai que, qu'on profite aussi de ce beau JD. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du petit chemin que j'ai créé là. Et puis n'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis donc merci aux nouveaux abonnés qui se sont donc qui sont donc arrivés sur la chaîne. Merci à vous tous, bienvenue à tous. Voilà, j'espère que le contenu vous plaît. Que la série elle avait un petit peu stagné là, et c'est vrai que je le trouvais aussi, mais c'est vrai que dans les activités avec le mode saison c'est pas évident. Et là on arrive donc là ça va être plus attrayant parce qu'on arrive dans la période, ça va être notre vraiment notre première moisson, puisque là on a tous nos parcelles qui sont donc semées. On va pouvoir faire vraiment notre première récolte, hein. Celle qu'on a cultivée, qu'on a fertilisée, donc ça c'est top. Je me lâche vraiment toujours pas de ce décor, vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Elle est vraiment belle cette map, hein. C'est vraiment une map de base, elle est vraiment magnifique franchement. Je m'en lasse pas pour l'instant, voilà, même si il y a d'autres maps qui vont sortir, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai toujours un plaisir de jouer dessus. Vous allez voir, en plus je vais vous développer la ferme encore un peu plus. Et puis donc la prochaine série approche tout doucement. J'ai encore des petites choses à faire sur la map, mais plus grand chose, mais je vous spoil pas trop la chose. Vous verrez en temps et en heure, mais vous ne serez pas déçus, vous allez voir ça. Alors nous, on va tourner au pont à gauche. Le magasin, il est là-bas. On repassera par là pour revenir à la ferme. Et nous, on va tourner ici à droite. Voilà, j'ai mis donc le magasin ici. Vous voyez, j'ai fait de la déco. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, j'ai vraiment face. J'adore ce petit endroit. Je trouve ça sympa. Maintenant, on va voir s'il est fonctionnel parce que je suis encore pas venu vendre. Par contre, là, il y a une petite bosse qu'il faut que je corrige. Allez, nous on va vendre notre lait ici.
Bah écoutez, 23 000 euros, 345. Eh ben c'est vraiment pas mal, on avait 61% de la cuve, eh ben je suis ravi. Impec. Vous voyez la déco que j'ai fait. Hop, petite déco sympathique. J'ai remis des petites barrières. Hop. Des petits arbustes, hein, histoire de fleurir un peu la chose. Allez. C'est vrai que j'ai peut-être vu pas trop large. Bon, ça, ça va le faire. Allez, ça passe. C'est bon. Allez, on repart. Comme ça, c'est bien. On a un troisième point de vente sur la map. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs prix. Là, je trouve ça vraiment sympa. Non, puis c'est bien, on a encore plein d'investissements à faire sur la ferme, du matériel à changer. Il y aura la presse, il y aura sûrement encore une benne qui va arriver, comme je disais tout à l'heure, la moissonneuse. Donc, non, c'est bien. Il y a encore plein de choses à faire, donc ça, c'est vraiment top. Bon les amis, je vous fais un petit cut et je vous retrouve quand je suis revenu à la ferme. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous récupère ici. C'est la tonne ici. Voilà. Hop. Allez, on va aller donc mettre finir notre cuvalisier dans notre parcelle d'herbe. Vous voyez, on est fertilisé qu'à 50%. On va terminer ça, ça nous terminera notre petit épisode du mercredi. Allez, hop, on est parti et c'est parti. C'est vrai qu'elle est belle cette tonne à lisier, franchement. Je regrette pas de cet achat, même s'il nous a coûté un peu cher, mais bon, franchement. Par contre, là, j'ai fait un manque. J'ai fait un manque. Bravo, Romain. Allez, c'est parti. On va essayer de refaire la longueur. Je sais pas si j'aurai assez à un cuve. C'est pas grave. Ça va être juste. Hop. Voilà, j'ai plus rien. Bah écoutez, on va replier ça les amis. Et puis nous, on se quittera sur ça. Moi, j'irai refaire le plein de la cuve, je pense. Rechercher du digesta au BGA. Allez, on va ramener ça à la ferme.
je vais le laisser par ici parce que si je vais chercher du diesel ça. Allez, je vais le laisser là. Hop, on va le laisser ici. Et ben voilà les amis. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Et donc nous on se donne rendez-vous dimanche pour notre épisode. Ça sera déjà le 14e épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mercredi et une très bonne fin de semaine à vous tous. Portez-vous bien. À dimanche. Allez, ciao les amis.